Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ludovic59820. Si vous êtes sur cette vidéo-ci, c'est que vous êtes sur une vidéo montage. Ici, il y aura un petit placement de produit non sponsorisé. Comment vous dire? Il y a un mois, plus ou moins un mois, j'ai acheté deux packs de collection Pokémon. J'ai acheté un pack collection Pokémon Détective Pikachu parce que j'étais intéressé par les cartes. Certes, il y a beaucoup de doubles, mais en termes de rareté, je n'étais pas déçu par rapport à ça. Puis j'ai acheté un pack ici, un pack comment s'appelle, Soleil et Lune, de type Soleil et Lune. Il y a des doubles, mais il y a beaucoup de raretés qui m'intéressent aussi. Donc bah voilà. Donc ça c'était pour l'introduction. Bah maintenant je vais ouvrir les paquets en même temps que vous. Certes, je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. J'ai classifié les cartes par rapport à ce que j'ai déjà découvert. Je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de raretés et j'ai pas été déçu du voyage. Donc, au final, je pense que j'ai bien fait d'ouvrir les packs. Donc voici. J'espère que ce pack-là, je suis sûr que ce packaging-là a déjà été ouvert par une personne. Donc ça, c'est le packaging-là, je vais conserver, c'est le packaging détective de Pikachu. Franchement, respect, franchement, j'ai pas été déçu aussi bien par celui-là que par celui-là. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. J'ai très peu de découpes à faire, vous allez voir. Donc, j'ai des trucs à faire avant. Attendez, je vais essayer de récupérer le jeton que j'ai fait tomber à terre. Donc, je l'ai fait tomber. Voilà, non, ça va. Donc, voilà, ici. Alors, je vais commencer par les deux jetons que j'ai eus. Je me souviens plus si je crois qu'il y avait deux. Je suis sûr qu'il y a eu des jetons. Donc j'ai eu des jetons Pokémon. Donc Détective Pikachu. Et ici c'est Fenard. Ouais, ça va. Je regardais si c'était assez visible. Oui, exactement. Donc voilà. Non, j'ai pas besoin de faire de cadrage, c'est suffisant. Donc ici, ça c'est les deux jetons que j'ai eu. Bon, certes, celui-là, il est pas énorme, mais il est déjà suffisamment beau en lui-même. Et Fenard, il me plaît aussi, quoi. Voilà, ici. Donc, je tourne la pochette Pokémon, Détective Pikachu. Donc, ici, une carte promo détective en pleine enquête, une pièce métallique qui est ici. Donc, deux boosters qui étaient ici. Un booster supplémentaire du Jay-Z Pokémon, donc c'est-à-dire, je pourrais pas dire lequel c'était, je vais dire celui-ci, et une carte code Jay-Z Pokémon Online que j'ai déjà utilisé, mais voilà. Donc ici, la carte, ça c'est la carte promo en pleine enquête, donc c'est celle-ci, ici. Ah oui, je collectionne les cartes Pikachu différentes. Pour ceux qui veulent discuter avec moi, voilà. Celle-là, je sais que je ne l'ai pas. Donc ici, ça c'était pour le descriptif du dossier Détective Pikachu GC Pokémon. Voilà. Donc là ici, plus celle-ci. Ça c'est pour le côté packaging. Et je vais ouvrir le deuxième pack que j'ai. Donc, pourquoi j'ai pris celui-ci? Rien que pour celui-ci, celle-là, elle vaut le coup. Donc, j'ai eu ça, plus... Voilà, plus une pièce métallique Fenard. Vous allez me dire, rien que ça, c'est déjà assez impressionnant. Mais vous allez voir, vous n'avez pas encore tout vu.
Excusez-moi pour les vibrations. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça très rapidement. Donc, je vais ouvrir très rapidement les boosters. Nota, je les ai déjà ouverts. Gardez la preuve. La preuve que j'ai déjà ouvert les boosters. Mais je peux vous promettre qu'ils sont de qualité. Alors, comment j'ai fait pour les classifier? Ah oui. Je les ai classifiés par ordre chronologique. Donc, j'ai pas besoin. Donc, ici, classifié par ordre chronologique et par ordre de carte, en fait. Donc, celle-ci, vous pouvez déjà voir celle-ci. Donc, ça, c'est une spéciale. Ça, on peut considérer une normale, mais à type de caractère assez spécial, mais normale. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ouvert. Ici. Donc, là, ici. Ça, c'est des cartes que j'ai classifiées. Donc, là, ici. Voilà, je vais les faire par ordre croissant. De 1 à 800. Et encore. Donc, ça, je pense que ça, c'est des doubles, en fait. Sinon, je les aurais pas mis là-dedans. Donc là, ici. Donc comme quoi, ça, c'était des doubles, en fait, à mon avis. Ça, c'est des doubles. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai 5 doubles et très, très peu de machins doubles, quoi. Comme quoi, vous pouvez voir la qualité des images que j'ai achetées et j'ai reçues. Ah, effectivement. Donc, voilà. Ok. Donc, c'est pas en ordre chronologique. Je voulais faire montrer un par un. Vous inquiétez pas, je vais les ranger tout de suite. Donc, ici, bulle bizarre. Ici, bulle bizarre. En spécial. Ici, rétincelle, mais de type normal. Carabaf. Ratatac, je crois que je l'ai déjà. Nidoran, je crois que je l'ai pas, mais de cette version-là. Quand je parle de cette version-là, c'est de type graphique, en fait. De ce type-là, je crois que je l'ai pas. Pitard. Pitard, je vous la montre. Je peux pas vous la montrer comme ça. Excusez-moi, je vais mettre un peu plus d'éclairage. Oh, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ici. Je mets un peu plus d'éclairage. Donc, Pitard. Pourquoi je suis intéressé par ce Pitard-là? Parce que c'est de la couture. Et franchement, ça, c'est un sacré défi de faire ça en couture. Bon. Moi, je le vois, mais je ne sais pas si vous voyez bien la couture. Je vois déjà le relief, donc je suppose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne suis pas sûr de la qualité d'image que je vous offre. Attendez, hop. Voilà. Excusez-moi pour les vibrations. C'est le système du maintien de la caméra qui bouge beaucoup. Bon, excusez-moi des vibrations. Donc après, il y a Golem. Ça, je suis sûr que je l'ai pas dans cette catégorie-là. À vérifier. Hop. Exalang en spécial. Magikarp, Evoli de type normal, Elector, ça c'est mon premier Pokémon de type légendaire sur Pokémon Go. Ouais, sur Pokémon Go. Donc vous pouvez voir, comme vous pouvez voir, c'est des cartes, c'est un pack que j'ai acheté combien? D'une trentaine d'euros. Pour une trentaine d'euros, franchement, rien que sur les légendaires, je suis pas déçu. Donc, Aspico,
c'est normal. Paras, c'est normal aussi. Miaous, pareil. Psychoquack, normal. Tentacruel, normal. De type normal, pardon. Electic, je parle en termes de graphisme. Electic, de type graphisme normal. What, pareil. Snoop Bull, de type spécial. Pour moi, c'est spécial. Hein. Donc, ici, Ambrilex, Tortipus, pardon. Moufette. Oh, attendez. J'ai des doubles. Ah, bah. En fait, j'ai mélangé les doubles. Snoop Bull, je vous présente plus Ambrilex. Ampifect. Donc, je serai obligé de retrier, hein, vous inquiétez pas. Bobby Drive. Pour l'achat, franchement, je suis pas déçu pour la qualité. Hein, franchement, je peux vous dire, pour une trentaine d'euros, franchement, les deux packs réunis sans les avoir ouverts, maintenant que je les ai ouverts, franchement, ça vaut le coup. Ici, God Drive. Laporeil. Ici, Crash Rock. Gigalite. Je crois que je l'avais pas, mais en spécial, je l'avais pas. Ici. Zorua. Pour vous dire, pour avoir une qualité autant d'images par-ci, comme ça, c'est aléatoire. Franchement, là, je vais vous dire, sur l'achat de ces deux packs, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Franchement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Gradure. Vosturno. Amphinobi. Galvaran. Araquois, je crois que je l'ai déjà. De type normal. Froussardine. Sopodo. Cordine. Garouton. Et ici, c'est mes cartes spéciales. Donc, Chamal. Chassisman, ça c'est je sais plus, et registre ami. Voilà. Donc maintenant, je vais faire les tri entre mes doubles et les normales. Donc ça rétincelle. Ici, ça c'est jusque-là, c'est normal. Jusque-là, c'est normal. Normal. Ah, ça c'est des non-doubles. Ici, Exalang, Evoli, Electo, Apisto. Miaous, Cyprocoa, Tentacruel, Electek, ici, Snowball. Ça, je sais que j'ai les deux en double. Tortipousse, je sais pas. Ici. Ici, Ambrilex. Amphex. Ici, voilà. Voilà, ça, c'est sûr. Ça, j'en suis sûr, c'est des doubles. Donc, je peux les mettre avec celle-ci. Sopodo, Nounourson. Ça, c'est sûr, c'est des cartes que j'ai en double. Et puis ils sont déjà dans l'ordre. Et ils sont quasiment déjà dans l'ordre. Donc, ça c'est de là, vous avez déjà vu. Celle-ci, vous avez déjà vu. Alors, je vous laisse admirer. Ça, ça avait déjà une double. Ça, j'en suis sûr que c'est déjà une double. Et ces deux cartes énergie, là, j'en suis certain. Après, ici, dans les cartes... dans des cartes jouables, mais spéciales. Communication Pokémon. Électrochargeur, multi-expérience, et puis énergie fée. Je crois que je l'avais pas en doom, mais je crois que je l'ai déjà. Donc ça, c'est à conserver. Ici, je reviens sur ça, c'est des cartes dresseur et énergie. Donc, je vous les ai fait montrer. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, je vais les mettre, les spéciales, je vais les mettre sous protection de cartes, ici et ici. Donc, il y aura une grande partie qui sera faite. Alors,
J'ai fait le rangement de mes cartes. Je vais vous présenter mes doubles. Voilà, ici. Bon, pour ceux qui veulent me contacter par rapport au double Pokémon, il fait ceux qui voient la vidéo, de discussion en discussion, je présume que je vais pouvoir, que c'est possible que je suis contacté. Si vous êtes intéressé par certains de mes doubles, n'hésitez pas à me contacter. Ah oui, j'ai oublié de... D'ailleurs... Celles-ci ne sont pas en double, mais vont être rangées. Donc, voilà. Ça, va être rangé aussi, mais ça, ça va être rangé. Donc, voici, ça, c'est mes doubles. Celles-ci, elles sont possibles d'être échangeables. Je sais que certaines ne sont pas toutes échangeables parce qu'elles sont classiques et archi-connues. Donc, voilà. Ici. Voici. Voilà. J'essaie de me taire le plus possible parce que ça sert à rien d'en dire plus. Donc, si vous êtes intéressé par des cartes, n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou en message privé. Hein. Je suis là pour ça. Sinon, pourquoi je ferai une vidéo sur ça? Tout simplement. Donc, voilà, en spécial. Ici. Ici, encore en spécial. Ici. Ici, ici. Bon, bah, les énergies, je sais que c'est pas la peine d'échanger. Voilà. J'espère que ma présentation a été sympathique. Donc, je vais compter le nombre de doubles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 moins 2, ça fait 11. Moins les énergies, pardon. Voilà. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine ouverture de Booster Pokémon. Allez, à la prochaine! Alors, c'était la fin de vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Bon, je vous présente ici parce que moi, c'est mon décoration. Ou en bas de la ligne rouge. De vous abonner pour voir les vidéos à venir et anciennes, si vous voulez. Si ça vous a plu, bien sûr. Allez, je vous dis salut à tous.